alors que les chantiers infrastructures, dont sa rubrique routière, arrachaient des cris d'admiration aux Quinois de tous bords, la capitale congolaise a connu, quelques années plus tard, un grand délabrement de ses grandes artères, ce qui a plongé la population dans plusieurs difficultés de circulation. La capitale de la RDC avait commencé à perdre son éclat retrouvé après les grands travaux initiés dans le cadre de deux programmes du chef de l'État, à savoir les 5 chantiers et la révolution de la modernité. Il était clair que ce délabrement de voies de communication usuelles a impacté négativement sur le train de vie de foyer. Il fallait alors un précis sésame pour sauver la voirie quinoise. Les saluts n'a pu être que le Fonds national d'entretien routier, une structure épousée quotidiennement à la question politicienne de « Où va l'argent de Foner ?» La seule raison pour laquelle est à Kobeba. Mais la raison pour laquelle c'est justifié pour toujours la Namisalate. Foner mission na ezali ko Kongolo Mbongo puis ko financer ba programme oyo ba gestionnaire Nzela bazali ko pesa office de route na OVD. Donc Foner a sala ka Nzela te Foner a finance lande misala oyo ba sala Nzela bazo présenter. Toza na division des tâches na ba responsabilité. Biso mission na biso ezali ko Kongolo Mosolo ko pesa ba structure oyo ezali éligible na ba texte ya ko bénéficier na ba Mbongo pour ba financer misala na. Cet établissement public dont l'objectif est de collecter les ressources nécessaires au financement des dépenses liées à l'entretien, à la protection de routes et à la voirie urbaine d'intérêt national est au centre de plusieurs critiques. Pourtant, il est à pied d'œuvre sur plusieurs projets d'entretien et de réhabilitation de routes, tant dans la capitale congolaise qu'à l'intérieur du pays. Kinshasa renaît petit à petit de ses cendres après quelques travaux entrepris sur certains tronçons routiers. Le Foner a libéré la manne nécessaire qu'il a mise à la disposition de certaines régies routières publiques. Nous sommes sur la place commerciale de la commune de Limete, un carrefour qui se cache dans la verdure qui s'étale sur ce quartier résidentiel. Ici, c'est un lieu où se déroulent plusieurs activités commerciales. Les habitants de ce coin ne reconnaissaient pas encore la légendaire place commerciale de Limete, qu'est de souffrance pour ces nombreux conducteurs de véhicules qui empruntent ces tronçons chaque jour. Il n'était exagéré de parler de catastrophes routières, que des véhicules qui ont vu leur amortisseur s'abîmer, que de chauffeurs et clients qui se sont plaints pour ce mauvais état de la route. Le Foner avait entendu et a répondu favorablement. Son financement a pris en charge tous les détails possibles de la réhabilitation en vue de rendre la circulation fluide et redonner à cette place sa renommée d'antan. Aujourd'hui, la place commerciale de Limete donne à voir un autre visage. Les véhicules roulent à l'aise, les embouteillages appartiennent dans le passé, la chaussée est encore fraîche, ce qui n'a pas manqué de faire parler les usagers de ces tronçons, qui pour la plupart souhaitent que ces financements et ces travaux soient étendus sur d'autres axes routiers de Kinshasa, notamment l'avenue Bongolo, qui casse la bifurcation de Limete et traverse l'avenue Kassavubu, qui sépare les communes de Kalamu et de Kassavubu. Limete Liboso, place commerciale. Les lieux qui sont sur la place commerciale. Tout le monde a outil comme ça, la partielle, les alliés bien. Mais malam, on continue pour que l'interaction soit bongoloti jusqu'à Limete, pour que l'embouteillage soit. Et à la malam. Le lo na moni pe mokali ba komi ko bongisa félicitations coup de chapeau. Nzela boye na moni quand même limité comme comme commercial ndenge zaki di bosopo. Ye moko azamo akini ngape na akino to benga to bana benga kala limité magasin. Mais magasin go ezo nga ndenge zalaki. Si ba bonsi nzela ya 7e mairie et 5e songo mi point attendu souffrir makasi bena awa 7e mairie ezay bena kitoko te. Devant le célèbre hôpital Bondeko, on entend les cris de soulagement, tant de malades qui fréquentent cet établissement sanitaire que de nombreux usagers du tronçon. Après les travaux entrepris sous les financements du Foner, les motards, communément appelés Wiwa, ont de justes mots pour expliquer la réhabilitation de ces tronçons. Prince,
Pensez à d'autres axes, c'est ce que fait le FONER. Son financement a pris aussi en charge l'avenue Kianza dans les communes de Lemba Ngaba parce que Kinshasa n'était pas que le centre-ville. Le travail de réhabilitation y est effectué grâce au financement du FONER. Kianza est praticable dans son premier tronçon et les travaux continuent sur son deuxième tronçon qui va jusqu'à Ngaba au niveau de la maison communale. L'avenue Kalembelembe qui traverse les communes de Lingwala, Kinshasa et Barumbu a été aussi visitée. Mais c'est surtout son tronçon qui va de la maison communale de Kinshasa jusqu'au croisement de l'avenue Flamboyant qui tient la bannière du célèbre quartier Bon Marché a été réhabilité. Son état était piteux. Les tronçons a fait parler de lui il y a quelques mois à travers la ville, non pas seulement pour son délabrement indescriptible, mais aussi et surtout pour le grand foulou, Célie d'immondices qui talonnait et engloutissait la chaussée. La décharge publique située non loin de la célèbre assemblée chrétienne de Kinshasa Kalembelembe avait connu un grand débordement jusqu'à faire disparaître la chaussée. C'est pas le cas parce que la difficulté est là qui moi mingi na ba gens en transport na biso ba bientôt notre qui moi na difficulté ma casse par rapport on a nénzé là les lois bongi pour te passer la merci na gouvernement difficulté est là qui tant on zélé koufaka difficulté est là que non. Le transport est passé, l'embouteillage est causé, moi ma problème est belé. Mais si vous avez des difficultés, vous allez vous soutenir par rapport à une zone normale. Tout le monde est salé, mais ça lui est dit que les caillasses sont des côtés. Les caillasses sont des côtés, les travaux sont des côtés. Ils ont dit que les goudrons sont remplacés par les goudrons. Non. Ba longoli pena ba ke na profondeur ya mabele, ba longoli mabele, ba tse mabanga pena ya minene tozo mona. Par rapport à la période où il y a un malheur, il y a un qui est propre. Sur Kabinda, dans le tronçon RTNC Mouchi, les travaux sont en cours. Il s'agit d'abord des travaux de construction de caniveaux, puis ceux de la réhabilitation de la chaussée. Le tour de la ville et les différentes interventions des usagers de route montrent que la situation de délabrement était plus qu'une catastrophe. Ce qui fait que les travaux de réhabilitation de certaines artères ne résolvent directement les difficultés de toute la ville de Kinshasa. Beaucoup d'autres routes attendent leur salut, sinon elles pourraient disparaître. Pour l'heure, les Founères a exaucé tous les cris même s'il est confronté à l'insuffisance de moyens de financement. Les besoins en termes de construction et d'entretien de routes sont énormes. Pour un pays continent disposant d'un réseau routier de 152 400 km, seuls 35 000 km sont praticables. C'est sur ces 35 000 km que les FONER intervient pour financer les travaux initiés par l'Office de voirie et drainage et l'Office de route. Même sur ces réseaux praticables, les besoins ne sont toujours pas comblés. Les besoins annuels pour entretenir ces 35 000 km sont estimés à 265 millions de dollars. Pourtant, la capacité financière actuelle du FONER est de 120 millions de dollars perçus par an. Les choses se compliquent encore plus quand la situation économique du pays a connu de fortes fluctuations défavorables. En dépit de ces décors économiques antithétiques, les FONER a pu sortir le nécessaire pour répondre aux états de besoin lui présentés par le gestionnaire de la route. Certes, beaucoup reste à faire, mais le peu qui a été réalisé doit être protégé. D'où le message de sensibilisation que le FONER a lancé à tous les usagers de la route. Population message n'a pas eu au Pessabango. Congo est allé beaucoup à la bison. Ceux qui sont allés en côté, sont bongusi en côté, ont un soir au bon sanguazate. Et si les bazali, sont bossani bangote. Ma coquille est allée à solo et à cococate, mais tous ça l'effort, malembe, malembe, tout atteindre, bah, poignonso, de façon que, moutounionso, peuple, nionso, à jouir, na banzela, et si qu'à, bazali. Ma coquille solo est allée limitée, mais tous ça la makasi, pour tout couvrir, bah, résonnionso. Oh, peut tous au sein de la population. Nandambo et salami, bas s'approprier penango, bas battre la yango. Ici, go bas sali bas caniveau, bas bas caniveau est allé fouloter. Pour ceux qui ont bois qui matite, ils ont bouché bas caniveau, on a, bas maillon yango, ils ont bima, bas inondation, tous ont bas problème, kili kili. Bas, bas chauffeur, ceux qui ont eu problème à crevaison en zela, ils sont là tout mort à l'ibouloter pour changer piné. Bas, une fois Luka Creek, a joué à terre normalement. Donc, c'est la seule façon oyo bakoyeko batte la biloko biso pe na niveau FONER tozo le mbate po na sensibilisation tozo informer population ki a s'approprier na misala nyoso bazo sala tant que tozo batte lo auto sito sali makoki okoya oyo ekozwa oyo ezali oleto zongela
esika to sala ki e baby susu soki to battre malamu e ko permettre to pousana to comme esika baningo musu bazayana ba kokoso banzera bazayete to affecter moyen pa ina ba to battre la biloko pour to sala la sur place teme pour to pousana to couvrir ba travaux ya réseau mobile. C'est donc la guerre déclarée contre l'incivisme des usagers de route. Que de gens qui jettent des ordures dans le conducteur d'eau, que des conducteurs de poids lourds qui ne respectent pas le tonnage, que de chauffeurs qui transforment la chaussée en garage lors des différentes pannes qu'ils connaissent. La situation est celle-là, tant sur la voirie urbaine que sur les routes d'intérêt national, ce qui est à la base de la dégradation tant décriée de plusieurs routes.